Très apprécié, largement utilisé et fortement regretté, il fait un retour remarqué en ce début d'année. C'est le prêt à taux zéro qui permet à nouveau d'acheter dans l'ancien. Mais pour en profiter, il faut respecter quelques critères. Première condition, acheter en zone rurale. Le prêt à taux zéro est accordé pour l'achat de logements anciens situés dans les centres-bourgs ou agglomérations de moins de 10 000 habitants. Alors dans quelle ville? Eh bien, cela concerne près de 6 000 localités qui sont réparties sur l'ensemble du territoire, qui sont éligibles et que l'on peut retrouver sur le site territoire.gouv.fr. Deuxième condition, réaliser des travaux. Le bien doit être rénové en vue d'améliorer sa performance énergétique. Il doit être modernisé ou encore agrandi. Alors dans quelle proportion? Eh bien, il faut s'engager à réaliser des travaux qui représentent 25% du prix d'acquisition. Enfin, troisième condition, il faut respecter les critères du PTZ+, réservé aux personnes qui souhaitent acheter leur résidence principale. Le prêt à taux zéro est accordé en fonction du niveau de revenu. Alors quel est son montant? Il varie de 18 000 à 89 700 euros et doit être remboursé sur une période allant de 12 à 25 ans. Voilà quelques conseils pour bien démarrer votre projet en ce début d'année.